Les membres de l'Association pour le développement de l'enseignement coranique au Mali viennent de fêter l'anniversaire de l'école coranique de Atta dans le cercle de Gundam, une occasion pour eux de faire le bilan d'un an d'exercice et de dégager des perspectives. Envoyé spécial, Timoko Konate, Adama Kamara. C'est ici Atta, un village à vocation agro-pastorale situé à environ 6 km de Tonka, cercle de Gundam. Son école coranique qui a ouvert ses portes en mars 2010. Est à l'actif de l'Association pour le développement de l'enseignement coranique au Mali, une association présidée par un maître coranique de renommée de la localité du nord de Sheikh Salah Sissé. Pour insuffler une nouvelle dynamique à cette école, les membres de l'association ont décidé de célébrer avec face son tout premier anniversaire. De nombreux fidèles de la localité s'étaient mobilisés pour être témoins de cet événement inédit. Après avoir rendu grâce à Allah le Tout-Puissant, pour sa miséricorde, les élèves ont procédé à la lecture de quelques versets du Saint-Coran. Cette initiative a trois objectifs. C'est de cultiver les enfants, de ne pas les laisser dans les rues. C'est cultiver aux, dans, au sein des enfants une foi, de leur donner une culture, une éducation une fois. C'est de, de perpétrer la paix parce que c'est ce qui incarne ce que ça le président de cette association. C'était un moment de communion et d'émotion mis à profit pour faire le bilan de l'exercice écoulé avant de dégager de nouvelles orientations. L'école qui enregistrait 11 élèves au départ encadre aujourd'hui une trentaine et le niveau est jugé satisfaisant. Cependant, les difficultés d'approvisionnement en eau potable. Et le manque de centres de santé sont des défis auxquels elle demeure confrontée. Pour relever ces défis, les autorités locales s'engagent à effectuer une contribution de taille. La cérémonie s'est achevée par des bénédictions. Le